Donc vous collaborez à cette époque-là beaucoup avec Libération, mais pas que. Vous montez un collectif qui s'appelait L'Œil Public, tout en continuant aussi à avoir une pratique personnelle, on va dire. On sent quand même cette volonté de rester indépendant. Oui, profondément. Mais je pense que ça répond à deux choses. Quand j'ai débuté dans la photographie, il n'y avait aucune place pour ma génération, nulle part. Les agences ne nous prenaient pas. Les journaux aussi nous prenaient, mais voilà. Mais en tout cas, les structures, les grosses structures qui accueillaient les photographes, donc les agences, ne donnaient pas des places à notre génération. Donc, en fait, moi, j'ai réagi et je me suis dit, je ne vais pas attendre qu'on me donne une place, je vais créer ma place. Donc, j'ai créé un collectif de photographes avec cette idée de protéger les photographes et de s'entraider, de se donner une indépendance très très forte. Et voilà, donc en fait, je suis profondément indépendant. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, L'Œil Public a fermé. Hein. Après la crise de 2008, on a la crise économique, on a dû fermer l'agence. Et après, je n'ai pas eu réellement envie de rejoindre un autre groupe de photographes. Et j'ai été appelé par... Donc je suis représenté par une agence aux États-Unis, mais qui diffuse simplement mes images. C'est un outil. Mais je n'ai pas voulu retrouver un groupe de photographes dans lequel je m'implique autant que dans un collectif comme L'Œil Public. Il fallait vraiment que je sois indépendant. Et il y a une dizaine d'années, il y a un journal, un magazine qui m'avait appelé. Le directeur photo m'avait dit « Guillaume, il faudrait que tu viennes avec ton book ». Et moi, je le connaissais bien, ce directeur photo, et je m'étais dit « Génial, il va me faire une commande énorme ». Je lui montre mon book, et puis en fait, il regarde à peine, puisqu'il connaissait très bien mon travail. Et il me dit « En fait, on recrute un photographe. Est-ce que tu veux faire partie du journal, en tant que photographe salarié ?» Et ma réaction naturelle, ça a été de rire. J'ai ri naturellement devant lui en lui disant « Écoute, non, je te remercie d'avoir pensé à moi et tout, mais pour moi, mon travail, c'est d'être totalement indépendant, même avec les risques financiers qu'on a, puisqu'on est quand même dans un métier extrêmement précaire. Mais la précarité dans mon travail fait partie aussi de ma manière de réfléchir et de ma manière, ça m'aide presque à créer. Alors, je sais que c'est un peu choquant de le dire, mais j'ai besoin d'être parfois dans des choses instables pour me dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour continuer à photographier. Alors, en parlant de choses instables, tu commences à la fin des années 90 à faire ton premier reportage sur Tchernobyl et tu vas y retourner plusieurs fois. C'est un thème qui reviendra dans notre échange plusieurs fois. C'est vrai que quand on fait des recherches concernant le thème radioactivité Tchernobyl arrive assez vite. Là, on peut considérer qu'en effet, on parlait d'attente. Là, on peut parler d'invisible parce que finalement, tu y vas avec un appareil photo pour photographier l'invisible. Oui, on peut dire que Tchernobyl, c'est vraiment le marqueur dans mon parcours photographique. Il y a un avant et un après Tchernobyl. Je pense que d'ailleurs, il y a un avant et un après Tchernobyl. Pour l'humanité. Oui. donc voilà, mais dans ma photographie, ça m'a totalement changé. Ça a changé aussi mon rapport au monde. Avant, j'étais dans une photographie d'actualité ou de reportage classique qui s'inscrivait dans l'école des photographes humanistes et dans la photographie des photographes qui ont créé Magnum. Donc ça a été vraiment, c'était ces photographes-là qui m'inspiraient. Et après Tchernobyl, en fait, ça m'a... obligé à réfléchir à la représentation. Puisque quand j'allais, en me disant « je vais partir à Tchernobyl », je me suis posé la question « mais comment je photographie l'invisible ? Comment je photographie quelque chose qui s'est déroulé 15 ans auparavant ? Et comment arriver sur un théâtre comme ça, où au final on ne va rien voir ?» Et donc j'ai changé complètement ma manière de photographier. J'étais en noir et blanc, je suis passé à la couleur. J'ai changé de format d'appareil photo, donc j'ai pris un format... qui est un, là, je ne sais pas si pour le grand public c'est intéressant, mais j'étais en format 24-36, donc pour moi un format qui est le format du temps présent, du mouvement, pour passer à un format au moyen format en 6x7, qui est un format plus de l'ordre d'un châssis de peinture classique. Qui s'approche du carré. Qui n'est pas le carré. Sa neutralité, c'est intéressant. Oui. Comme format. Oui, et on a donc un rapport au paysage qui est différent.
pour moi, on est plus en, on regarde plus de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, on n'est pas du tout dans le même rapport. Et j'ai l'impression que le temps est beaucoup plus arrêté à l'intérieur de ce format qu'avec le 24-36. Sachant que ton format, c'est plus souvent le 4-5e, je crois. Hein. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Tu es passé du 6-7 au 4-5, mais ça, c'est juste un problème technique. C'est un format, le 4-5 aujourd'hui, c'est la contrainte du numérique. Puisqu'à un moment donné, j'ai dû passer au numérique. Et le seul format qui était proche du 6-7, c'était le 4-5. Donc, je suis passé au 4-5. Et en même temps, j'imagine que de l'époque de l'argentique, où beaucoup de gens livraient du 24-36, qui est un rapport 3-2, il y a encore aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup de gens qui livrent du rapport 3-2. Oui. Toi, tu arrives avec tes 4-5, ça ne pose jamais de problème? Oui, ça pose toujours des problèmes de mise en page. Parfois, mon cadre est respecté, parfois, il ne l'est pas. En même temps, tu n'es pas un terroriste du cadre. C'est-à-dire que tu peux accepter le fait qu'on repense le cadre de tes images. Non, je peux être un terroriste du cadre, mais j'accepte la contrainte économique. Je comprends. je comprends la nuance. Oui. Oui, ça veut dire que évidemment, tu penses ton cadre comme tout photographe dans son rapport aussi au réel. Alors, y a un livre, tu publies souvent des livres hein, pour tes séries. Oui. Il y en a un, évidemment, intitulé Tchernobyl City. On en parlait tout à l'heure de ton rapport aux légendes que tu rédiges. On en reparlera de ton rapport aussi à une forme de littérature par l'image. Là, on est plus, finalement, on a fait un tournage récemment concernant la data visualisation. On est presque dans une forme de data visualisation puisqu'il y a l'image, pas de légende, et une valeur en micro-REM. On rappellera qu'en général, ici, peut-être, là, dans Paris, dans le 11e, on est entre 10 et 20, possiblement, naturellement. Tu as beaucoup d'images, finalement, où il n'y a pas tant de radioactivité que ça dans la plupart des images chez les gens, à Pripyat et ailleurs. Et puis, de temps en temps, ça monte et on voit cette petite valeur, là, qui nous donne une autre lecture de l'image. En effet, quand on voit le sarcophage, on l'évoquait tout à l'heure, mais cette image me passionne, me fait peur. Là, je crois que ça monte à 1600, quelque chose comme ça. Je me demande dans quel état on est quand on fait cette image. comment on est quand on photographie, quand on est dans un endroit où on entend le radiomètre biper. Eh bien, on est vif. Oui, on est vif. On va plus vite que d'ordinaire, on va plus vite qu'en banlieue, tu veux dire. Non, mais après, en plaisantant un peu moins, en fait, le truc un peu étrange, c'est que plus on se rapproche du danger, moins on a peur. Donc, plus on le relativise. Parce qu'il faut l'accepter pour pouvoir être là et photographier. Donc, en fait, quand je suis dans un endroit... Alors, moi, j'ai une méthode très simple hein, dans les lieux radioactifs, c'est qu'à Tchernobyl, c'est que pour me rappeler que c'est dangereux, j'allume mon radiomètre, il y a le bip, et il est bip constamment. Donc, il y a des moments... donc, on entend constamment... constamment. Alors, quand je suis dans un endroit dangereux et très dangereux, on l'entend vraiment biper ou même crier. Et puis quand je suis dans un endroit calme, on entend juste quelques bips. Voilà. Et ça me remet toujours dans la réalité. Ouais, ouais. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'avais été dans la Forêt Rouge. La Forêt Rouge, c'est l'endroit le plus contaminé de Tchernobyl. C'est vraiment dangereux. Là, j'ai peur. C'est cette forêt qui est autour d'une ville c'est pas loin. Construite. Non, la Forêt Rouge, c'est une forêt à l'intérieur de la zone interdite qui a eu beaucoup de radioactivité qui sont retombées à cet endroit-là. Et là, c'est l'endroit le plus contaminé de la zone interdite de Tchernobyl. Elle a brûlé en 2018, d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, on a reparlé de Tchernobyl du fait de cet incendie, oui, il y a qui quelques était mois. Une forme de deuxième pollution. Oui, oui, oui. Et donc là, on pourrait, si je ne mets pas mon radiomètre, je peux me promener et me dire, il n'y a rien. T'es dans il la forêt. Il ne passe rien, je suis dans une forêt. En plus, ce n'est pas non plus très beau. Voilà. Et je me souviens, j'avais mon interprète et on est obligé de circuler avec un guide à l'intérieur de la zone. Donc, j'avais un guide. Eux étaient tranquillement dans l'herbe en train de discuter. Et moi, j'avais mon bip qui me rappelait où j'étais. Et moi, j'étais comme un fou, quoi. Enfin, je me disais, bon, il faut que je photographie très, très vite. Et c'est moi qui leur rappelais. Alors, le guide, lui, il a l'habitude, mais mon interprète, non. Donc, je lui disais, bon, maintenant, il faut partir vite. Il faut partir très, très vite. D'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes la forêt, les arbres.
On retrouve aussi des genres dans ton travail, et c'est vrai qu'il y a le genre paysage. En même temps, c'est plus souvent des forêts. Oui. Et en effet, c'est le sujet, ça devient les arbres. Même si tu ne ferais pas des photographies d'arbres, s'il n'y avait pas autre chose que les arbres. Mais c'est vrai que l'arbre, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans ton travail. Mais c'est drôle parce que je m'en rends compte depuis peu. C'est quelque chose que je fais naturellement. Je m'en suis rendu compte simplement l'année dernière, que l'objet arbre était omniprésent dans mon travail. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait une commande pour la Fondation Yves Rocher, qui m'a envoyé en Europe de l'Est pour faire un travail sur la condition des forêts dans ces pays-là. Et donc j'ai pris le temps de regarder autrement les arbres qu'en reportage habituellement. L'arbre dans mes reportages habituels, dans mes séries habituelles, ça fait partie donc de la forêt, et la forêt dangereuse qui peut être de l'ordre du conte ou qui cache quelque chose, etc., etc. Et dans cette commande, ce n'était pas le cas. Il fallait que je regarde la beauté des arbres. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avant de venir, j'ai lu ton livre d'entretien avec Sophie Bernard où tu mentionnes ta première image ou ta première série avant de ranger ton appareil pour quelques années et de le ressortir plus tard. Tu as 11 ans. Et dans cette première image que l'on découvre de ton travail, ben, il y a déjà des arbres. Ah oui, mais tu vois, tu me le dis, moi, je n'avais pas fait lire. Et là, je suis en train de réfléchir encore aux arbres, à un projet autour des arbres. À devenir photographe d'arbres. J'aimerais bien, d'ailleurs. Ça me calmerait.